Officiellement, président américain Joe Biden clarifie position dans le dossier Haïti. Dorénavant, États-Unis ont évalué possibilité pour retourner avec soldats casque bleu en Haïti à travers un plan stratégique que yon gen pour pays. Après passage président américain dans pays Canada, côté le Théalchit a parlé avec premier ministre canadien Justin Trudeau, eh bien, il y a un pile à quoi paquet d'informations qui sorti. Il y a un monde qui dit, et Justin Trudeau, il casse pour être Joe Biden parce que, premièrement, il joue une fermeture frontière là. Côté que Haïtien te kon kite États-Unis rentre à pied au Canada pour demander asile, pas sa pièce encore. Et deuxièmement, li mette fin avec toute parole en pile, côté yo tap mandé Trudeau pour le prendre mission et militaire spécialisé pour voyer en Haïti là. Eh bien, nous ka di dans ça, c'est premier ministre canadien, c'est pays Canada qui leve jackpot là, qui fait gros loi, puisque nan moment là, nan plan stratégique que États-Unis mettait dehors, que département d'État américain mettait dehors, y a gagné deux principaux objectifs, nous pral partager avec vous dans yon petit moment. Président pays a parlé. Pas dit on pas konn si Haïti gen président, hein. Pas dit on pas konn. Eh bien, sou pas konnen l rete là, on pral wè de qui est n'a parlé. Nous pral faire vivre interview, nous pral faire vivre et position sous conjoncture pays par rapport à différents problèmes structurels qui a brassé bille société haïtienne. Bonjour, bonsoir tout le monde. M'espérez nous en forme, m'espérez nous passer un très bon dimanche. Jeudi, c'est lundi 27 mars 2023. Bon lundi et très bonne semaine à vous tous. Ou sous TAC 509 tout haïtien connecté, ma invité au sous pourquoi abonner, activer petite cloche notification pour pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour nous poster. Nous connaissons déjà que Haïti, dans ce moment-là, la vive haïtien, ni pays d'Haïti, a une situation qui est extrêmement difficile. Nous avons tellement de problèmes, on dirait que même l'ivalmétique, depuis que Haïti a voué, depuis que Haïti a passé, il parle parce que le pari côté pour mettre des problèmes qui viennent de le pays. Il parle côté pour mettre des problèmes haïtiens encore. Et faut que moi dis honnêtement, Haïti, même genre avec un paquet de pays que États-Unis et yo même y a intervenu là-dedans, yo considéré qu'il y a trois principaux problèmes. Premier problème, non, yo considéré qu'il y a, c'est ça qui est pour exclusivement avec corruption. Côté que corruption a gangréné et système démocratique là, corruption a gangréné l'État, empêcher citoyens yo joindre service parce que leur autorité en dedans l'État y a volé l'argent, yo pas bay résultat. Donc ça vient créer et ça vient créer des problèmes structurels en dedans système là. Et l'autre bagage c'est que de jour en jour États-Unis ou bien communauté internationale dans l'ensemble ont constaté un rétrécissement de l'espace géographique en pile à un paquet de pays. Surtout pays qui commençaient à gagner gros affrontement pour ne pas dire guerre civile, côté des bandes armées qui a terrorisé, qui a tué, qui a fait kidnapping, qui a fait viol collectif, ils ont constaté un rétrécissement et dans le territoire au profit de bandes armées. Moun ap kite la kayo, moun ap kouri kite zon yo, moun ap kouri kite kayo au profit de gang. C'est ça nous ta relé en Haïti, guerilla yo ben nan. Et nous pral font une différence pour vous. Et vous pral comprendre que jodi an lò moun ap parlé de banditisme, préférez ta parler de terrorisme, préférez ta parler de action de guerilla, nèg yo se baye guerilla yo après que nous parler de tout bagay. On bandit lui-même, l'on croise avec un bandit. D'habitude, on compte deux bandits qui salvaient. Bandit, li touye, li vole, li assassine, etc. Li allait. C'est son bagage qui fait nos espaces donnés. Yo pas interconnecté, yo pas lié, etc. Ce qui est différent pour journée aujourd'hui là, pour ça navigue dans le pays. C'est action guérilla, c'est action terroriste que nous avons réglé. Par exemple, soit parler de différentes zones en dedans pays, il faut faire automatiquement référence avec un chef de gang. Il faut faire référence avec un gros bandit, un gros chef gang. Soit parler de Matisse, soit parler de Iso Village, soit parler de Tilapli,
On va parler de Chrysla, on va parler de G9, on va parler de GPEP, on va parler de l'Amour sans jour, de Vitelom, etc. Là, nous constatons un rétrécissement vraiment qui fait dans l'espace géographique. Et puis, troisième bagaille, c'est le droit moun menacé. En pile pays en Afrique, en pile pays et dans Caraïbes blanc, surtout pays côté que gagne pays côté gagne dictature yo pour international là depuis droit moun menacé, depuis droit moun pas respecté, automatiquement pays ça yo ta supposé gagner des plans et gagner des plans stratégiques, communauté internationale là ta supposé créer toutes conditions pour intervenir. Donc au niveau international, yo considéré Haïti avec un paquet de pays yo gen nécessité pa gen nécessité pour international là pour yo ta intervenir. Mais kounya comment yo ka intervenir? Et ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait que pendant un bon bout de temps, pendant près de 5 mois, gen gros débat ka fait sous intervention et militaire qui t'a supposé fait en Haïti, on force spécialisée armée qui t'a vinn aider la police nationale d'Haïti, vinn kwape bandi, vinn stopper bandi, vinn touye bandi, vinn arrêter bandi. Et bien puisque pas jamais gen aucune décision qui prend ni en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, pas gen une décision qui prend à travers et instance régionale yo, OEA, yo pas décidé rien. Yo al nan CARICOM, yo pa décidé rien. Eh bien, le Trudeau finalement rencontré avec Joe Biden, eh bien monsieur on pral mettre sous table un dossier Haïti. Et l'homme dit nous que président Biden li clarifie position dans dossier Haïti. Eh bien là, gen sa yo rele la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité, plan stratégique décennal pour Haïti. Ça c'est plan que Département d'État américain rend public 24 mars passé, le officiellement et premier ministre canadien Justin Trudeau, li dit Biden, moi-même pas rentrer dans dossier Haïti, préférer me mettre un petit cop disponible pour yo, préférer me garder comment m'ka aider dans question migratoire là, même pas débarquer avec soldats en Haïti parce que moment pas favorable. Et bien pas de l'autre choix, Biden pas de l'autre choix, yo t'es obligé tourner vers la loi de la fragilité. Eh bien, loi ça qui pral permettre que États-Unis viennent avec plan stratégique là pour Haïti, en son loi de 2019 lié. Loi ça, sous base loi ça, depuis ces pays qui emploient de violence, côté qui gagne conflit armé, côté qui gagne stabilité, côté qui gagne crise continue, eh bien, États-Unis qui érige l'engendame du monde, qui érige le maître du monde, li ka intervenu. Communauté internationale la ka intervenu pour aller aider, pour aller supporter, pour aider pays ça à joindre stabilité, pour aider pays ça retourner, joindre la paix pour citoyens qui arrivent tranquille. Eh bien, dans ce moment là, c'est ça qu'a parlé, c'est ça États-Unis a parlé pour Haïti. Nous pas attendre rien. Nous pas attendre rien. Département d'État américain sorti plan stratégique là, yo pas dit tweet parce que en dedans plan stratégique là, ça a publié là. Ça me bral essayer de nous comprendre là. C'est une impression c'est pour que ça Ariel veut parce que derrière plan stratégique que États-Unis mettait dehors là. Yo pas non plan stratégique là, yo pas dou officiellement que yo pral débarquer avec Marines. Yo pas dou officiellement que yo pral débarquer avec militaire américain. Yo pas dou yo pral voyer et policier américain vin en Haïti vin aider vin combattre gang vin des bandits vin combattre bandits. Yo dou nan plan ça. Et objectif principal plan, mes amis tendez, oui, premier objectif plan, c'est faire progresser une gouvernance réceptive et responsable et la sécurité. Gardez comment yo ka fè pour gagner un pi bon gouvernance en Haïti, pour administration publique ka fonctionner pi bien et rive rétablir sécurité en dedans pays. Deuxième objectif là, c'est favoriser la mobilisation et la prospérité de la population sûrement et dans quelques années encore, dans quelques mois encore, Haïti pral prospère. Haïti nous te gagne avant, peut-être nous ka rejoindre parce que c'est ça. Si c'est principal objectif plan stratégique États-Unis bral mete à là, m'espérer que y a bay résultat. Sinon c'est dans bêtise y a passé nous, sinon c'est dans qui a passé nous. Parce que constat qui ça lié. Dans moment là haïtien a comme toute qualité problème. Problème yo tellement pile, n'a monter le ciel pas de péripéties en pile et le n'a gardé en dedans plan ça. Côté que yo fait plusieurs approches. Principe première approche, li basé sous c'est système judiciaire là côté que dans un premier temps
yo pral toucher tout ça qui gen pour avec sécurité, tout ça qui gen pour avec justice, compte tenu de contexte actuel. Contexte et le États-Unis a parlé de contexte actuel, l'a parlé de qui ça? De qui ça l'a parlé s'il vous plaît? Nous non pays côté gang a terrorisé population. Nous non pays côté même dans Conseil de sécurité Nations Unies, résolution votée et dans résolution ça, yo pral sous base résolution ça, yo pral prendre sanction contre des autorités. Ancienne autorité qui yon même gen relation à gang, qui gen relation à bandit, qui a financé gang, qui a financé insécurité en dedans pays. Donc là, il est clair que pour États-Unis, paramètre numéro un, insécurité qui gen là, sont insécurité détaillée. Moun qui en dedans l'État qui sont là pour porter résultat, moun qui en dedans l'État qui sont là pour mettre sécurité, moun qui en dedans l'État qui sont là pour garantir stabilité pays, pour marrer bandit, pour marrer délinquant. C'est yo même yo joine qui gen relation avec gang, qui gen relation avec bandi. Donc yo vise principalement pour yo garder comment yo ka remodeler, passer main en dedans système judiciaire là, passer main en dedans et administration judiciaire là, moun ki pou sorti sorti, moun ki pou continuer travail. Donc bon sorte de vetting qui doit fait de concert avec autorité nationale, de concert avec dirigeant. Mais bon l'autre bagarre encore qui bon l'autre problème qui pose. Si nous regardons les gens nomination paquet de juges sur fait là sur Ariel Henry. Donc si vous vetting réellement qui pour faire, si vetting ça c'est pour permettre que Haïti pral retourner et à la dimension de sa glorieuse histoire etc. Fuck nous faire au respect de la constitution. Kounia, est-ce que moun sa Ariel mette à là, est-ce que vetting n'a pral concerné ou est-ce que moun sa a toujours été dans pouvoir judiciaire là pas qu'être juge été nommé dans cour de cassation, ça a été nommé dans tribunal première instance, dans cour d'appel, est-ce que y a toujours été là? Ça c'est des questions. Et c'est là nous pral comprendre plan stratégique ça pour moi même li par nous de. C'est comme si son bagay et yo vle bay Haïti espoir, yo vle bay Haïtien espoir, yo vin avec un plan yo konnen ki pap ka réaliser sous 3 mois, ki pap ka réaliser sous 6 mois, ki pap ka réaliser sous 1 an. Et comme si yo di nou cuit nan genou. Vive avec problème nou, vive avec insécurité nou. Vous comprenez? Vive entre kidnapping dans le quotidien nou, entre kadejak yo dans le quotidien nou, entre corruption dans le quotidien nou. Fait nous l'idée que ou ka bon premier ministre qui participe dans tout le président et puis l'a bien passé sous pouvoir. Pas gen moun ka pas gen moun la prendre compte etc. C'est ça quelque part yo mande nou. Yo pas faire visiblement parce que yo connaît gen moun qui pas jamais prendre la main mais au final c'est ça lié. Au plan stratégique on parle de plan stratégique non contexte actuel. Et ça qui est énervant, c'est le parler de contexte actuel. Contexte en limandé pour gon urgent, pour gon urgence qui prend. Limandé pour gagner des solutions rapides qui prend. Limandé pour gagner des interventions urgentes qui prend, qui fait. Mais là, là le n'a regardé, le États-Unis a parlé et de différents aspects qui ca gagner dans premier aspect plan. Là yo fin travail avec la justice, servetting etc. Koun yon pou yal travail avec la police de concert pour yo rive rétabli sécurité dans le pays, garantir sécurité chaque citoyen. États-Unis dans même catégorie ça dans même phase 1 pour yo faire promotion respect droit moun. Comment pral faire promotion respect droit moun? L'état pa garantir sécurité nous. L'état pa garantir liberté circulation nous. L'état pa créer travail pour nous. Qui doit moun ki respecte la? Le nou pa gen accès avec soins santé. M'a regardé hier en vidéo de série de moun ki l'hôpital sanatorium. L'hôpital la moun yo parent malade yo a plein parce que l'hôpital la koulan nuit tombé. Tout moun nan fè noir c'est ti flash téléphone. Médecin résident yo la c'est vrai malgré tant de grève yo pa ka touché. Yo konnen yo gen obligation pour yo bay moun yo soins santé. Yo ale l'hôpital sanatorium. En dedans pharmacie, yo besoin toile gaz yo pa bjwenn. Yo besoin gant yo pa bjwenn. Yo besoin ti kal koto yo pa bjwenn. Alors que gen l'argent qui disponible, gon budget qui disponible pour MSPP. Bon qui sa ministre santé publique la fait? Tout ça li rentre
nan violation droit moun. Tout ça, li fait partie de violation flagrante que l'État fait sous droit moun yo, sous droit chaque grand haïtien. Kounye a, c'est comment États-Unis va arriver le plus rapidement possible rétabli respect droit moun en Haïti. Ça li extrêmement important. Li extrêmement important. Puisque yon mette li nan plan, nan premier phase plan yo a, donc nous-mêmes nous pral rete là pour nous garder qui ça pral bay. Et yo pral faire des efforts considérables qui pral axer sou quartier côté que taux de violence beaucoup plus élevé surtout dans zone qui chaud dans en métropolitaine non pour yo garder comment yo ka faire yo vini de meilleur quartier pour yo garder comment yo ka rétabli sécurité rétablir la paix créer conditions pour moun yo vivre retirer moun yo dans conditions infrahumaines non côté que moun ap bred le même côté avec bête côté que moun ap dormi même côté avec cochon. Eh bien, c'est ça plan visé. Oui, nous connaissons problèmes multiples, problèmes économiques, question pas l'argent, chômage, question pas qu'à travail. Tout ça, c'est des facteurs qui poussent au monde à la corruption. Tout ça, c'est des facteurs qui poussent au monde à prendre armes. Tout ça, c'est des facteurs qui poussent les gens à aller à la délinquance, venir tourner gros bandit en dedans pays. Mais, je dis, une question pour nous poser tête. Nous, toute l'agence qui a débloqué en dedans ministère Affaires sociales, pendant que États-Unis poko vin avec plan là, pendant que États-Unis pas commettre plan sous tapis, pour qui ça va pas traler les oreilles malandres ça va mettre dans tête pays là, pour yon voye l'argent disponible pour peuple là pour la régler bagay peuple là. Mais non, yon fin kite nèg, yon fin vole, fin casser caisse l'État, fin détourner l'argent l'État, l'argent taxe, l'argent impôt nous. Et puis monter États-Unis à l'acheter belle caille, à l'acheter belle machine, à l'acheter caille pour femme, etc. Investir. Vous comprenez, gaspiller, bambocher. Et puis après, yo là pour yo constater des gars. Et ça fait m'dou dans le commencement, il y a des séries de moun, il y a moun qui prend plan stratégique là, qui ouvre deux bras, qui accueille yo, qui ouais c'est Jésus qui descend, une fois que le département d'État américain publie plan ça. Il y a moun qui gagne ouais solution pays en résolu. Mais pour un peu l'autre, moun faut qu'à comprendre. Moi-même, je vais garder le plan. Oui, ok, je mets ton plan. Je mets ton plan sous table. Mais plan ça, son plan qui est à long terme, plan ça, qui leur a commencé le processus? À qui est-ce que nous allons faire le processus? Parce que nous avons un gouvernement là qui conteste. Nous avons un premier ministre qui décrit, papa ici, on parle de Ariel là, on pas d'accord Ariel là. C'est seulement Ariel avec la coalition qui est en pouvoir, avec militants qui payent dans la rue. Qui est Ariel, c'est Messian. Qui est Ariel, c'est plus bon monde qui a sauvé Haïti. Oui? Mais la grande majorité, moun sa ou qui nan grand goût, moun sa ou qui mouri, que Ariel pas j'aime dire, massacre fait, malik doko. Ariel pas j'aime dire, pouvoir Ariel la pas j'aime dire, au contraire, ça arrange yo. International là pour gagner plus insécurité, international là pour gagner plus violence dans le pays, la pi bon pour yo, la pi bon pour yo. Donc n'a pas comprendre que journée jodi an plus gen moun ka victime, plus gen moun ka tombe, plus taux insécurité a augmenté, niveau insécurité a la croître, la grandi, la grandi, la grandi. C'est plus bagay la bon pour pouvoir l'État, c'est plus bagay la bon pour Ariel Henry avec tout acolyte li yo. Une fois que plan 1, phase 1 en plan, li fin réalisé, kounye a, États-Unis décide pour le passer dans phase 2. Phase 2, c'est rive remédier avec cause profonde instabilité. Pour permettre à ce que et secteur justice kounye a, li fonctionne bien et favoriser participation citoyenne chaque grand haïtien dans vie politique là et vin avec de nouvelles perspectives économiques. Bon, sûrement, pral gen des investissements qui pral fait, pral gen création d'emplois, le sa ou pral commencer par les deux élections libres, honnêtes, démocratiques, vraiment, parce que le sa parle de participation citoyenne, c'est à travers les élections, à travers les urnes, moun pral voter. Mais à qui est-ce qui pral fait élection? C'est la grande question, qui est-ce qui pral fait élection? Le États-Unis présent comme ça sous scène, non? Toujours gen une idée de contestation. L'élection pral fait, est-ce que c'est pas eux même qui pral choisir qui est-ce pour mettre, qui est-ce qui pour gagner l'élection, qui est-ce qui pral dans deuxième tour, qui est-ce qui a gagné depuis dans premier tour. Tout ça c'est des paramètres parce que nous tellement prend coup dans mes autres. Zot tellement ba nous au clo grand la journée tout monde a regardé personne pas dit rien. Kou nous vinn trouver nos situations même le ta douce yo même qui messia, c'est yo carré tiro dans situation et c'est une situation que yo même encore te meto ou pas ka quoi. Ou pas ta kwen nan yo parce que nous-mêmes, nous pas seulement vle l'espoir, nous vle action. Gen bien longtemps que pays soit disant zanmi Haïti sa yo.
pays sa yo ki monte fesso yo ki monte ti communauté yo ti groupe yo pour yo participer ensemble pour yo craser pays yo et yo abouti nan craser pays nan diviser société nan craser ça nous gagner et comme histoire comme mémoire de dans pays yo et bien jodi an c'est même yo même encore qui ranger ko yo qui dou que yo ka résoudre bagala et nan phase 3 États-Unis pral regarder comment la contribuer nan renforcer système ba konn de ki système y a parlé hein et à renforcer les systèmes dont les Haïtiens ont la maîtrise de façon à avoir un impact durable et obtenir des changements institutionnels fondamentaux. Donc il y a parlé de changement système. Donc là c'est eux même qui connaît à travers qui ça va faire changement système là, qui ça va changer dans système là. Mais on fait connaître de manière générale, de manière globale, tout plan, toute réalisation plan, li doit fait de concert avec acteurs nationaux. Li doit faire de concert avec autorité nationale yo moun ki nan l'état. C'est vrai, il a consulté société civile là, il a consulté acteurs politiques yo, il a consulté acteurs économiques yo, il a consulté différents moun yo kwè ki genyen mot pa yo pou yo di nan sa ka pase an dedans pays comme crise, mais pa gen rien ki ka fait sans volonté haïtienne nan. Ça veut dire États-Unis montre l'hypothèse espoir pour nous non feuille. L'hypothé changement en bas nous sur un plateau. Mais si qu'on y a nous-mêmes comme haïtiens, nous pas une volonté pour nous changer pays, yo pas responsable. Si on mande accord politique, concertation, consensus, ou fin de négocier après ça répéter coquin, rien pas ka fait, élection pas ka fait, États-Unis pral doupi devant lui-même, il pas responsable puisque le fait partie par là. C'est nous-mêmes qui pas gain volonté, c'est nous-mêmes qui pas gain velléité pour pays aller de l'avant. Donc quelque part, plan stratégique ça que États-Unis publie, à moi-même m'ka dit comme si son épée Damoclès yo pendait sous tête haïtien. C'est comme si yo pral mettre nous face avec propre réalité nous. Acteur politique ça qui pas jamais vle chita ensemble pour transcender, pour intérêt pays avant. Yo pral rendre haïtien responsable propre malheur en dedans pays en véritablement. Nous qu'on dit oui nous complices oui nous coupables mais international dans la de tout là on va montrer nous parler aucun international qui la donne c'est nous parler Canada d'où le pas venir il pas voyer militaire mais d'où le bras le bail l'argent il va le décaisser l'argent pour la police nationale pour former policiers acheter équipement là lui même il est en retirer col d'un point de vue sécuritaire d'un point de vue et tactique il va le d'où il bail la police moyen qu'on y a là d'où il va le moyen et facteur qui cause instabilité a que ces crises politiques que ces crises économiques et d'ailleurs nous voyons vraiment accentué tout ça yo accentué sous lui parce que yo pral venir avec de nouvelles perspectives économiques création d'emplois investisseurs étrangers pral venir etc yo pral chercher cause instabilité a et déjà sous base résolution 2653 nous voyons qui s'est passé. Yo sanctionné des acteurs politiques. Acteurs politiques ça yo qui yo même yo responsable de ça qui a passé comme et dans financer gang, activité criminelle dans le pays. Moun sa yo comme si yo tout ba yo carton rouge, yo pas dans jouet là. Koun ya sacrété yo. Pendant si temps que plan stratégique États-Unis, yo pourquoi activer, yo pourquoi commencer faire quoi que ce soit sous li là. C'est sûr pour nous suivre. Qui nouveau acteur qui pral sanctionner? Contre qui est États-Unis pral prendre sanction? Contre qui est Canada pral prendre sanction encore? Parce que gen moun y a mettre dehors dans game nan toujours. Gen moun y a mettre dehors dans game nan, gen moun y a mettre dehors dans jouet là pour yo ka continuer préparer terrain yo. Les États-Unis pral vin avec les États-Unis vin avec plan. Li sensé gen monopole là non mais. Li même avec Canada ou ta fait tout la dit mais là ça c'est gen tout monopole li normal et c'est une des raisons ou parler et de probable intervention de casque bleu mais kounye a voyez casque bleu en Haïti pas facile li pas facile c'est retourner avec dossier sécurité Haïti en dedans Nations Unies tourner en dedans Nations Unies on nous garde paramètres on nous garde facteurs yo. Là déjà, États-Unis pas quand ils prennent décision pour le voyer casque bleu en Haïti par le biais des Nations Unies parce que les Nations Unies pas oublier, il y a 5 pays qui ont veto, qui ont droit de veto. États-Unis qui décidé depuis la Russie dit non. États-Unis qui décidé à voyer casque bleu en Haïti, la Chine dit non. Et dans un moment situation tellement difficile,
pas seulement pour Haïti dans le monde là, par rapport avec et par rapport avec conflit qui gagne, mais bon conflit depuis une année oui là entre la Russie avec l'Ukraine. C'est pas des milliards de dollars non qui dépensé. États-Unis a vidé, la France a vidé, Union européenne a vidé, Canada a vidé l'argent bas Ukraine. Voyez matériel, voyez équipement, la France a vidé, tout a bail. Et puis Haïti en lui-même, il a conduit nous en parents pauvres. Mm-hmm. Nous achetons petit blindé nous même joindre nous pas ca joindre. Allez voir pour nèg yo ta voye gros blindé ba ou pour ta voye fusil d'assaut, pour ta faire ceci, pour ta faire cela pour nous. Non. Non. Pour kounye a nous pas priorité yo. Nous pas priorité yo. Et si bon moun ki mette nan tête que Haïti dans moment là, c'est priorité États-Unis non. Nous toujours parler, nous gen ressources naturelles, nous gen bagay pou yo vin puiser et cetera. Yo ka vin voler, yo ka vin faire ça yo vle. Mais pou kounye a principale priorité yo pa Haïti. Principale priorité yo pa Haïti. Même jan wè gen alliance ka fait, même jan wè par exemple Honduras, ki sa Honduras fait? Honduras te gen relation diplomatique avec Taïwan. Taïwan son province de la Chine liye, ki décide le prendre indépendance, li vin paye et cetera. La Chine toujours conteste elle et États-Unis par rapport avec les tensions diplomatiques qui gagnent avec la Chine, li supporte Taïwan et li font paquet l'autre pays, li ka gen influence, li ka tape dirigeant, li ka pren décision dans pays ça, li fait supporter Taïwan. Et bien qui ça en dira ça? Qui sont du rassemblement aujourd'hui jodi an puisque gon paquet gouvernement gon paquet et leader de gauche qui vini qui prend tête pays a yo choisi changer quand pendant weekend passé a président Honduras li coupé fâché avec Taïwan li a joindre la grande Chine la joindre la grande Chine pas une question de Chine Taïwan et puis la grande Chine son seul Chine qui gagne et Haïti lui même comme nous tellement aimé dire nous nous tellement aimé Titon Duri, nous les abayons, et les abayons livres, et Tibo qui pour nous, reprendre et Tibaïsaïo. Donc, nous ne pouvons pas couper fâché. Nous ne pouvons pas reconnaître la nécessité qui gagne pour nous aller dans la cour des grands, mais nous sommes grands, nous trop, nous vicieux trop. Nous avons l'impression que c'était bon et petite Russie, au lieu de nous avoir la grande Russie, nous avons pas une petite Russie en bas, pour qui ça m'a connaît. Parce que là, il y a nécessité pour nous. Reconfigurer système politique noir. Mais comme nous pas gagné des dirigeants de caractère sous pouvoir là, nous pas gagné moun vraiment qui compétent, qui ka fait travail payant, Jean payant, ta vle lan, Jean Haïti espéré lan. Et puis ça a été apprêté. N'a pouwe mauvais choix diplomatique yo, c'est yo y a fait. Mauvais choix politique yo, c'est yo même y a fait. Et puis 5 ans, 10 ans après, yo pral lage payant non chouboum. Yo pral lage payan non situation incalculable non situation kont pa même ka rive géo pa même ka rive rezoud zan nan viv la. Et bien nan moment la nou konnen que premier ministre Ariel Henry li te décidé mete au conseil de transition campé. Au conseil de transition que Ariel te mete campé an. Yo te mete le campé nan l'idée pour rive jwenn entente avec différentes structures politiques, classes politiques yo, pour yo garder comment yo ka résoudre crise paysan, mais jusqu'à date pas vraiment gen rien de concret. Yo dou, yo pral travay sur sécurité. Yo dou, yo pral mettre groupe de travail sur la sécurité. Yo dou, yo pral travay sur CEP. Yo dou, yo pral travay sur les réformes constitutionnelles. Mais au final même Jean pas bon côté international là, y a fait Haïti perdre du temps. Mais en dedans pouvoir l'état tout ce temps qu'a perdu. Donc là très certainement, m'pa konnen ki prévision Ariel Henry comme yo te di Ariel Henry a quitté pouvoir en 2025. Là pour 2024 là, pour 2023 là, pas gen élection en fait. M'pa konnen si en 2024 si Dieu veut, si Ariel a organisé élection, mais pour 2023 là, nous avons besoin de parler de élection. Nous gen temps passé, bon, 3 mois presque fini là. Premier trimestre année ça c'est fini là. Très bientôt là on va le prendre avril. Avril pour arriver mettre campé. Pour arriver mettre campé en CEP, faut qu'il y ait consultation qui fait. Faut qu'il y ait consultation qui fait avec différents groupes qui a gagné pour envoyer représentants. L'église, vaudou, secteur politique, université, toujours des contestations. Bagaille ça yo pour petit yo toujours prendre 2 à 3 mois.
pour yon voye mob yo, pour yon voye représentant yo, pour yon choisi. Le yon fin choisi, contestation zempete yon parle. Calendrier électoral, c'est un peu monté, bon, comment Riel mette juge nan cour de cassation, donc c'est aussi facile que prestation de serment pral fait. Koun y a prestation de serment pral fait, koun y a, moun yon pral di yon parle élection avec Riel. Calendrier monté, contestation, mais en attendant, yon pas moyen problème de sécurité ya. En attendant là, Ariel va régler en merde. Comme le veut l'usage, ok, l'autre bon diplomate qui était en fonction en Haïti, le pral au 20, etc. Mais Ariel tellement allé là, Ariel pousse ses ailes, Ariel prend vol. Mon pas nécessité pour faire tout bagaille ça yo. Ou bon madame la lime qui vini dans l'objectif pour vin aider remettre cap institution yo, pour vin aider stabiliser pays yo, pour vin aider rétablir sécurité à la paix dans pays yo. Joun nan mission ça yo pas réussi et nous conscient que yo pas réussi, seul Ariel qui wè yo réussi. Seul Ariel qui wè madame la lime son crème moun son bonne moun. Seul Ariel. Non sérieux. Qualité, oui, qualité, on par contre, comment Ariel décelé, comment Ariel sentit nan li, mais très honnêtement, là, depuis le binu vini en dedans pays, c'est échec sur échec, c'est instabilité sur instabilité, c'est mauvais choix, c'est mauvais calcul net qu'a fait. Kounye, nous-mêmes, comme nan, plan stratégique États-Unis, on pas parler de rôle binu pral jouer. M'attend pour moi, qui ça yo pral bay binu, qui ça yo pral bay Maria Isabelle qui a bien pour venir parce que c'est extrêmement important. C'est nous-mêmes le plus souvent qui a gardé réalité qui pas agi, qui pas réagi tout. Mais États-Unis, Américains va prendre pas de bagaille dans mes Biden. La France là pour une question de pension. Pour une question de pension, les pour moun yo prend pension yo repousser le. Moi quoi yo te mettre 2 ans sous lion bagaille comme ça. C'est des millions de Français oui qui prend la rue, craser, briser, mettre fatra, bouler bagay, oui dans la rue. Moi même t'a regardé entrer capitale là, entrer Paris, c'est fatra oui. C'est fatra du centre hôtel. Ah bon. Le Français a énervé, le Français a senti Macron rive trop loin, il prend la rue. C'est pas 10 moun, c'est pas 20 moun, c'est pas 100 moun, c'est pas comme si des milliers, c'est des millions de Français qui prennent la rue. Si les Américains ont senti qu'ils pas capables avec Biden là demain matin, c'est des millions qui prennent la rue. Mais nous même en Haïti, si nous pas jeunes 1000 goudes, nous pas jeunes 6 sacs de riz, nous pas jeunes promesses, ou pas ouais, nous t'es tellement d'amour promesses. Opposition SDP vini, li tout yon a promesse. Ah, l'en fini, nous tout ap nous, militant jeune massio, posé. Nous prenons le ministère intérieur. Nous prenons le ministère travaux publics. Nous prenons faire ceci. Nous prenons faire cela. Je dis à monter sur nous, elle descend. Mais mon man nous pas soucié. Mais mon zone pas soucié là-dedans. Là, c'est nèg yo kap bien passé. Yo pas jamais dans pouvoir. Yo pas jamais admettre dans pouvoir. Yo gen policier. Yo gen militaire kap bay sécurité. Yo gen 2-3 machines derrière. Yo a quel fait? Qui motif? Tellement la vie menacé, tellement y'a bay pays yon bon service yon peur pour une nation bay attaque yon. C'est tout le genre. Mais par rapport avec conjoncture pays yon, par rapport avec la situation pays yon la fin de quatre là, Jean Haïti pralé là, gen nécessité pour acteur yon parle. Gen nécessité pour tende qui sa nèg yon gen pour yon di. Nous songe te genye et président élu. Jamais investi de ses fonctions. Fritz Alphonse Jean. Président Jean-Fritz Alphonse Jean. Et Fritz Alphonse Jean. Il y a Jean-Fritz Alphonse Jean. Eh bien, président, il finalement est parlé par le bon bout de temps. Depuis après le divorce qui a été gagné en climat avec le premier ministre Steven Benoît, il a divorcé. Et pas au sens littéral, non, pas dire marié, non, c'est problème. Quand non? Tant pis. Et Alphonse nan ou pal, Steven Benoît nan ou pal, eh bien, li sorti nan silansi, nous pral genyen pour nous parler sous conjoncture pays, on pral tande ki sa genyen pour le dire sous conjoncture pays. Mais bien avant, faut que moi di nou, hier, dans l'émission, Stanley Lucas t'a parlé de un plan que li genyen. Bah, on est si c'est un groupe, yo gen plan, ou bien si c'est lui même personnellement qui gen plan. Côté plan gen 9 points, et
Dans la première phase, vous avez choisi 22 personnes par département et 10 dans le département en Haïti et puis 11e département, nous connaissons la diaspora. Chaque monde a gagné pour envoyer 2 personnes, etc. Et puis par la suite, vous avez choisi un premier ministre avec le reste du ministre. Moi-même, l'homme fini à retendre qui est véritablement gagné en place de moi, son bonne idée. Son bonne idée. Et qui ça m'a gagné intention de faire? Et j'ai l'intention de contacter Stanley pour voir le plan, bon, moi, par écrit, pour me regarder le plan. Et puis, nous allons débattre sur ça, ou même qui voulait participer dans l'émission, vous avez un point de vue sur le plan, et vous avez écrit dans le numéro d'émission, vous partagez là avec vous, vous allez analyser, et puis nous venons faire débat sur lui. Parce que moi, personnellement, je crois que c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée parce que le plus souvent, nous pas d'accord, mais qui ça nous propose? Et là encore, le c'est haïtien qui a une possibilité pour choisir et pas choisir n'importe qui est, non? Moun intègre. C'est ça que fait vraiment mettre accent. Le stand est fini exposé. Faut moun nan li pat nan question politique, nan structure sa yo, oui? Nan PHTK, nan réponse paysan, nan Laval, nan unité, nan moun sa yo qui fait coalition pour caser l'État, oui? Parce que moun wap gen pour choisir. Oui, moun nan ka kon politik, oui, moun nan dwe kon politik, oui, moun nan dwe gen expertise, oui, moun nan dwe gen konnaissance, dwe gen aptitude nan domaine li pral travay lan, nan domaine li pral interagir avec l'autre moun yo. Mais fò moun sa, se pa n'importe qui est. Fò moun nan li intègre, fò moun nan pa gen dwe long, fò moun nan pa corrompu, fò moun nan pa reprenn pa kon touye moun, pa kon fè ceci, pa kon fè cela. Donc, mwen se li important. M ap retounen sou sa pandan semen nan, et lè sa n'ap ka debat plus et sou aspect ça, ok? Et bon, en nous tenant ensemble, interview ça que Alphonse Jean et président Montana ont réalisé dans le micro, Monsieur Magique Nafur, qui font très bon travail et qui faut nous faire négocier, parler, faut nous battre vent négocier pour nous connaître ça, yo poté dans Jacoutio. Et pour les amis qui besoin consulter plan stratégique ça que États-Unis mettait dehors pour Haïti, proposer pour Haïti, on va monter sur et sous site département d'État américain, on va joindre les disponibles pour traduire en français, traduire en langue ou puis à l'aise. Ou après véritablement qui ça négocier préparé pour pays d'Haïti dans jour cap pour venir là. On écoute ensemble Fritz Alphonse-Jean. Non, c'est-à-dire que il y a longtemps mon a tiré son état là. Et là encore pas plus longtemps que semaine dernière et Wilson il y a un groupe Canada qui est là et puis qui t'attendait une émission que m'était fait avoir depuis par contre depuis peut-être un an et demi et peut-être plus sur question de l'économie de violence qui a développé en la pays à l'heure ça. Et donc c'est clair que il y a un pile monde qui a filmé qui côté que l'on va aller. Avec type d'organisation l'État ça, surtout relation que l'État ça gagne avec un certain nombre dans le secteur privé, relation que l'État ça gagne avec des mondes que nous aurions des entrepreneurs politiques. Monde ça va priver l'État de toute ressource. L'État a supposé jouer pour le rendre population service, que ce soit service de sécurité, service justice, service santé, service éducation. Donc là l'État est incapable pour le faire ça. L'État est totalement à la dérive et population est totalement démunie. Son population qui sans service sécurité. Évidemment, même moun sa yo qui prive l'État de ressources sa yo, c'est moun sa yo qui a mes jeunes garçons avec jeunes femmes pour protéger actifs yo, pour protéger tout ça que gagne comme bien, protéger business yo. Évidemment, certains temps, c'est évident que transaction ça t'a fait entre une série de moun et jeunes garçons, jeunes femmes yo, puis que t'es pour comprendre que ben ça t'a duré. Moun sa yo vigne pour autonomie yo, et qu'on y a là, nous vignons ouais, son totale désintégration de l'État que nous vivons, côté l'État carrément non existant. Nous n'en savons que nous à l'étranger, à regarder comment l'État faillit. C'est ça que nous vivons là. Donc, il y a toute une trajectoire, ça veut dire catastrophe, ça que nous vivons là, chaos, ça que nous vivons là. C'est des gens qui construisent. C'est pour moi qui sortent dans le ciel et qui tombent à terre. Donc, c'est là que nous arrivons qu'on y est là. Évidemment, comme nous arrivons là, il faut que nous sachions là, qui en charge du pays. Excusez-moi de poser une question. Oui, non. Clairement, nous qui en charge du pays, et si vous comprenez bien, il faillit. Mais maintenant, vous soulignez dans notre là que ça n'a pas vivre là, qui est terrible, vous partagez des chiffres sur violence, sur le monde qui mourit. Vous soulignez que y a là pour contrôler les contrebandes, gérer Woodwork pour le monde, mais vous dites pour contrôler le territoire pour élection piqué-collé. Comme quoi, ça n'a pas vivre là, gain et finalité, comme Dakadi encore, puis conjoncturelle, que sont les élections qui doivent se tenir, et forcément, même là, beaucoup de gens qui l'ont.
Ah non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, nous mettons toute tête chargée, ça que nous est là. Nous mettons toute désintégration de l'État, ça. Et qui annonce qu'il y a fait de côté Mounzaro, c'est CEP qui n'a pas le formé. Donc, c'est comme si on est totalement aveugle par rapport à ce qui a passé dans le pays, par rapport à ce qui a passé tout près là, dans la boule 12. C'est-à-dire que, il y a des gens là qui ont fait 11 semaines et demie, 2 semaines, sans manger dans la boule 12, parce que la boule 12 est totalement occupée. Comme si, dans le mi-temps, désarroi ça, dans le temps détresse, dans le temps désespérance ça que la population a vivre, et pourtant des gens ont annoncé la question de CEP. C'est évident que Mounzaro a besoin d'un territoire qui est totalement contrôlé, contrôlé par eux-mêmes, et le ça, c'est au seul qui a entré à faire une campagne électorale. Évidemment, qu'on y a là, pendant que je dis ça, je pense que les gens qui ont pensé que c'est des gens qui ont rêvé. Mais excepté que, c'est clair qu'ils ont annoncé que tu n'as pas fait CEP après qu'ils ont fini installer. En dehors, dans des de la loi, ils ont fini installer des juges dans le gros tribunal qui est en Dapéa, dans le palais de tribunal cassation. Côté que, dans la situation que nous sommes là, c'est un consensus qui va permettre qu'on fait au conseil de décision politique comme ça. Donc, ils ont fait fi de tout ça qui a passé dans le pays pour continuer à conseiller de décision, tandis que l'État continue à désintégrer, de venger tout le monde, côté que hiérarchie n'a pas respecté en dedans, institution supposée protéger et servir la population. Donc, côté qu'on pourrait aller avec ça là. Donc, excepté que nous connaissons, Jean ça a tourné là. Nous, à la porte d'une grosse catastrophe. Catastrophe là, commencé déjà parce que les gens qui sont dans la boule 12, il y a vivre catastrophe là. Les gens qui sont matissants, ils vivent catastrophe là. Les gens qui étaient croix des bouquets, ils vivent catastrophe là. Les gens qui sont dans la boule, côté Timakak, ils vivent catastrophe là. Quand il y a là, catastrophe là, comme ils ont fini de ceinturer grand pauvre point planète, ça sacrifie, c'est pénétré. Et d'ailleurs, pénétration en fait de temps en temps, autant d'après mon Andap et Tionville, d'après mon Haute-Foy, d'après mon Belleville, etc. Donc c'est là que nous sommes. Alors ça nous a souligné dans notre là. Puis il n'y a personne qui dit qu'il n'y a pas de connaître. Tout le monde te connaît, c'est l'arrivée. Et là, qu'on y a là, côté que nous y est là, nous n'en porte gros catastrophe là. Monde qui prend le responsable, situation ça, chaos ça, elle dit, en pile monde qui t'a mouru là, c'est monde qui est en tête l'État, monde qui dit qu'il a dirigé. Et tout, monde qui est dans le secteur privé et entrepreneur politique, qui a supporté mascarade ça fait devant la population, qui a supporté désintégration de l'État là. Donc, il faut que tout le monde prenne responsabilité qu'on y a là. Pour personne pas dit ou pas de connaît, même j'en sache dans l'autre pays, conseiller de monde, là, on parle et traduit devant juge naturel, il parle dit ou pas de connaît. Là, tout le monde connaît son construction de chaos qui fait, et là, il faut que chaque monde prenne responsabilité devant l'histoire. Maintenant, pour faire, t'es là, moi, dans notre là, et à quoi de l'autre là, nous faisons des propositions. Allô, Magic, ça a déjà passé mal. Oui, Jean. Oui, ça pour faire. Parce que là, mon autre là, à côté d'autre là, fait des propositions. Non, c'est évident. Nous-mêmes, nous avons dit ça depuis longtemps. Hein. Nous avons dit grosse déchirure sociale, ça. Parce que ou en société qui déchire. Donc, ou en économie crasée. Ce n'est pas vrai, ou qu'il y a un groupe de monde qui comprenne, qui a une prétention, qui a résoudre ça. Nous disons, il faut qu'il y ait des secteurs qui chita ensemble. Actualité. Enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magic 9, Magic News, équipe la solide. Magic 9, Magic News, mais oui, toute nouvelle, sans stress, chaque matin, sorti ce terre privé du zère. Oui, sous Magic 9, là, sans vrai neuf. Magic 9, 100.9, nous avons perdu contact communication avec Fritz Alphonse Jean qui a intervenu sous une note BSA t'a écrit, en fait, à Comontana, t'a signé pendant fin de semaine. Alphonse, ça va appeler là, t'es coupé à, c'est des propositions où t'as pas parlé, certainement. Justement, oui, monsieur Jean, justement, proposition, excusez-nous pour interruption. Donc, nous disons premièrement,
mais grosse crise à traverser ça. Côté que ou une société totalement déchirée, c'est pas vrai ou un groupe monde qui a résolu le problème ça pour côté. Il faut que nous mettions ensemble pour nous chita, pour nous garder une feuille de route très clair. Mais en feuille de route là qui ça vient. Premièrement, question de sécurité que nous vivons là. C'est évident que au niveau de la police là qu'on y a là, non seulement ou un problème d'effectif au niveau de la police là, mais même dans l'effectif qu'on gagne, il y a un gros vêtement pour qui fait. Son police qui totalement démunie, qui pas des moyens, qui démoralisé, qui pas respecté hiérarchie. Donc, si vous pas poser problème ça, ou clairement, poser problème ça avec des monde qui connaissent dans la police là, poser des problèmes avec des monde qui tapotent des solutions et surtout chercher moyens pour la police là. C'est évident que qu'on y a là, nous pas qu'à résoudre problème ça pour contre nous. Il faut que y ait une discussion qui fait avec monde de l'autre côté pour nous connaître côté que nous prenons les jeunes moyens pour nous équiper la police là, pour nous remembrer la police là, et troisièmement, pour nous former le policier. C'est dans la situation ça que nous y est. Et dans la situation ça, c'est évident, pas qu'à faire ça pour contre nous. Faut nous joindre support technique, support opérationnel pour nous faire face à la situation ça. Donc, c'est là que nous y est. Et puis, des mondes comprennent que ça que nous habitués à faire depuis longtemps, nous qu'à continuer à faire. Ce n'est pas vrai. Et là, l'autre monde supposé comprendre que dans l'environnement, côté que tout dégât ça t'a fait, ou t'es un minimum, d'organisation, ou t'es un minimum d'organisation en termes de institutionnel. Mais là, qu'on y a là, que institution est fin crasé, c'est pas vrai. Ou non, l'autre environnement. Et l'autre environnement, ça que nous parlé là, c'est un environnement qui a conduit nous à trois. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yann.